on voit tourner autant de fois nécessaire. Alors, à partir de cette séquence, maintenant qu'on est super fort pour les tours, on va travailler les changements de direction. Donc, premier changement de direction va être sur le 8 avant, sur le pas en avant. Donc, je vais travailler toujours à partir de ma séquence arrière, côté, devant, où je vais faire mon changement de direction et repartir vers l'avant. Donc, arrière, côté, devant, changement de direction, je me retrouve vers l'avant. Donc, je fais avant, pivot latéral et je repars en arrière. Arrière, côté, devant, changement de direction pour repartir en avant, côté et arrière, côté, devant, changement de direction, etc. Alors, il nous reste maintenant le changement de direction sur le 8 arrière. Donc, on va faire directement le pas en arrière, faire le changement de direction et continuer la séquence. Donc, à partir du pas en arrière, je fais mon changement de direction et je repars. Arrière, côté, devant, pivot, côté, arrière, et je change de direction. Arrière, côté, devant, côté et arrière, côté, devant, côté, arrière. Eh bien, on a bien travaillé, on a nos séquences de tours magnifiques et à la prochaine. Bye!